Et alors, non seulement, si j'ai bien compris, tu travailles parce que tu gères des restaurants, c'est ça? C'est ça. Mais en plus de gérer des restaurants, tu as une passion? Mon fils. Ah, et le chant? Ah, c'est pas une passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais bon, que j'ai Bon. pas le temps d'apprendre, on va dire, parce que je ne sais pas chanter. Tu ne sais pas chanter. On va voir ça. Qu'est-ce que tu as décidé de chanter? On va essayer Barbara Streisand. Ah, pour quelqu'un qui ne Parce sait que pas quand même, chanter. j'aime les belles voix malgré tout. Alors on y va. Allez, Andrea, t'es prêt? Il y en a plein d'autres alors? Tu l'avais déjà entendu chanter? Oui, avec passion. Ah, d'accord. Ben, merci, bravo. Je vous en prie. À mes débuts, je me suis fait engueuler pour écouter chanter. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Ben, c'est un privilège. Hein. Écoutez, oh là là. Ah ben, on est privilégiés alors. En venant ici, je ne savais pas tout ça. Tout tu ne savais pas tout ça? Non, tout le monde est doué pour le chant en fait. Je pense qu'on a même des serveurs chanteurs ici. On avait des... J'ai entendu une fille qui chantait vocation, super bien là. Voilà, c'est une famille qui se crée au jour le jour
pour laquelle on ne regrette jamais d'avoir rencontré. Et nous sommes là, voilà. Ça fera maintenant depuis. Grâce à vous deux, alors, grâce à vous et grâce à toi. Voilà. Et grâce à tous les gens qui chantent. Et voilà. Merci. À